Et maintenant, je vous présente notre conférencière. Alors, Karen Debasse, elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle a complété son doctorat en neuropsychologie en 2013. Karen a tout d'abord travaillé avec une clientèle étudiante au Centre de soutien à l'apprentissage de l'Université de Montréal. Elle travaille maintenant auprès d'une clientèle gériatrique et agit à titre de formatrice et mentor pour les intervenants du réseau de la santé. Elle est co-auteur avec Frédéric Espidi du manuel « Savoir apprendre pour réussir » paru chez Herb. À vous la parole, Karine, et bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci. Je vais partager mon écran. Il y avait un sondage qui était déjà activé. Je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que c'était une question que je me posais au départ. Si jamais vous la voyez, vous pouvez nous faire oui, savoir. Oui, il y a déjà des gens qui ont participé au sondage. OK, super. 54 personnes qui ont déjà participé au sondage. Ah, bon, ben, parfait. Donc, oui. Merci de l'invitation. Merci pour la présentation. Dans le fond, vu qu'il y en a eu une, je vais passer plus vite ici. Attendez-moi, je vais le laisser ici si jamais il y en a qui n'ont pas encore... répondu. Donc, effectivement, je suis co-auteur du livre et puis donc, étant donné que le contenu est inspiré naturellement de ça, je veux juste aussi souligner le fait que Frédéric Escudi, avec qui je travaille, contribue avec moi là, à tout ça. Puis c'est, dans le fond, avec mon expérience au Centre étudiant de soutien à l'apprentissage que ce que je vivais avec les étudiants quand on les évalue, quand on leur explique un petit peu comment fonctionne leur cerveau, quand on réalise à quel point ils aiment en fait recevoir de l'information pertinente sur leur apprentissage, sur ce qu'ils font peut-être qui ne fonctionne pas et ce qu'ils font qui pourrait changer, qui pourrait fonctionner. C'est un peu cette expérience clinique-là qui nous avait donné envie à Frédéric et moi d'écrire un livre sur ces sujets-là. Et donc, c'est un petit peu ce dont je vais parler aujourd'hui. Les façons d'optimiser en quelque sorte l'apprentissage, mais de façon un peu globale puis en lien avec les méthodes de travail intellectuel. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que je regarderais les résultats du sondage. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Pour la première question, parce que je ne sais pas à quel point c'est acquis pour tout le monde, ça, les MTI, c'est quoi les compétences et tout ça? Oh, wow, alors, OK. Les résultats sont partagés. Alors, je vous laisse les présenter. Donc, est-ce que vous connaissez les 6 éléments de la compétence développés par le ministère? Oui, 30 % et 70 % non. D'accord. Dans le fond, ces compétences-là ont été développées. Dans le fond, je vais le préciser davantage. OK? Donc, je vais prendre le temps quand même pour la majorité de gens, dans le fond, qui ne les connaissent pas nécessairement. Mais les défis actuels qu'on voit, et puis... tous les professeurs, j'imagine, les conseillers pédagogiques peut-être peuvent en témoigner. Nous, on s'est fiés sur la littérature parce que, comme vous avez vu, moi, je suis neuropsychologue, je suis clinicienne, donc je ne suis pas enseignante. J'ai travaillé avec les étudiants dans un cadre clinique. Mais on est quand même témoin de la même chose, c'est qu'il y a un manque de méthode de travail et de stratégie efficace qui est utilisée. Puis dans la littérature, c'est aussi rapporté. Voilà. Que les stratégies d'études les plus utilisées par les étudiants, ben, ils ne sont pas les plus efficaces. Donc, ce que ici, je ne sais pas si vous voyez, peut-être je devrais tasser ça, voilà, pour que vous puissiez voir mes références. Donc, j'ai pris quand même plaisir à lire M. Tremblay et Perrier au niveau collégial qui disait, parce que je me reconnaissais un petit peu là-dedans comme ancienne étudiante, que la méthodologie, c'était une matière parfois peu populaire. Parce que les étudiants ne sont pas nécessairement convaincus de l'utilité d'apprendre une méthode spécifique. Ils peuvent trouver ça plus ennuyeux et ils peuvent percevoir que c'est des exigences parfois arbitraires ou qui sont demandées par certains professeurs. Donc, c'est quoi les MTI? Les méthodes de travail intellectuel, il y a eu une nouvelle demande ministérielle pour qu'une compétence de méthode de travail soit enseignée dans les cégeps. Et donc, il y a 6 éléments de compétences qui ont été développés pour faciliter en quelque sorte l'évaluation de cette nouvelle compétence-là. Là, je ne les connais même pas par cœur, mais il y a par exemple compréhension de texte, travail en équipe, communication orale.
rédaction de texte, savoir utiliser les technologies de façon adéquate. En fait, c'est à peu près ça, mais j'y reviendrai. Donc ça, ce sont les 6 éléments de compétences sur lesquels ceux qui vont avoir à enseigner souvent le cours de méthode de travail ou méthode de méthode de travail intellectuel, sur lesquels ils vont devoir se fier. Par contre, au-delà de ces 6 éléments de compétences, puis vu qu'il y a une majorité d'entre vous qui ne les connaissiez pas, ben, je pense que ça va être plus facile justement de vous extraire de ces éléments concrets-là. Je voulais prendre le temps de revenir sur l'essence des méthodes de travail intellectuel, la façon dont c'est décrit par le ministère au départ. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui comprend tous les moyens, les procédés et les règles destinés à faciliter l'apprentissage. Parmi les méthodes de travail et de recherche les plus utiles à la poursuite des études, on compte notamment les stratégies d'études. Et ensuite, ils développent avec justement les aspects un peu plus concrets là, des compétences. Donc, l'objectif de vous parler aujourd'hui, c'est vraiment de revenir à l'essence de ce qu'on veut dans le fond, là, c'est faciliter l'apprentissage des étudiants. Et quand ils ont retravaillé au développement de la compétence là, pour actualiser le programme, ben, ce qu'ils veulent, ce qu'ils décrivent, c'est de développer et renforcer les habiletés nécessaires à la réussite de ces études collégiales et universitaires. Et dans le fond, avec Frédéric, c'est ça qu'on veut valoriser aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la littérature scientifique, est démontré comme étant efficace pour favoriser la réussite scolaire, et on se base là-dessus pour faire nos propositions. Et justement, en fait, notre citation du ministère, c'est qu'ils veulent valoriser le caractère scientifique des programmes d'études. Donc, je pense qu'en saisissant les principes de base de la cognition qui influence la qualité de l'apprentissage, bien, ça va vous aider, en tout cas j'espère, à mieux outiller ou mieux guider les étudiants dans leur parcours. Parce que dans le fond, c'est un peu ça qu'on souhaite, je pense, tout le monde, là, c'est de favoriser l'utilisation du plein potentiel de l'étudiant. Et c'est sûr que ça peut comporter des défis au cégep, dans le sens où il arrive à une certaine maturité, dans le sens où il veut affirmer sa personnalité, son autonomie, ses idées. Il n'est pas nécessairement motivé à suivre des règles précises, particulièrement quand ça demande de l'effort. Donc, c'est là-dedans qu'on doit naviguer. Alors, de quelle façon les soutenir? Je veux donc aujourd'hui aborder une vision des méthodes de travail intellectuel qui est un peu plus holistique, donc moins justement focussée sur les 6 éléments à évaluer. Et discuter de façon d'augmenter votre impact en valorisant l'autonomie de l'étudiant et en saisissant les principes qui sont sous-jacents aux méthodes de travail, dans le fond, et qui peuvent faciliter l'apprentissage. Donc, ça, c'est un petit peu le plan de la présentation. Naturellement, vu qu'il y a beaucoup de choses, je vais focusser plus amplement sur la mémorisation et la planification parce que je pense que c'est ceux qui peuvent se généraliser au plus de choses, en fait, et puis qui peuvent même être pertinentes pour nous tous comme travailleurs et personnes actives. Donc, pour les méthodes de travail intellectuel, il y a une approche qui est un peu plus classique qu'on peut adopter par rapport à notre vision. C'est quand on formule des demandes à l'étudiant et donc on a une liste de règles et des étapes à suivre. Ça a ses avantages dans le sens où quand on a des étapes claires A, B, C, D, c'est plus facile, c'est plus facile à diriger et c'est plus facile à évaluer. Par contre, il y a des études à l'Université de Rochester dans le cadre d'un cours en fait en chimie organique, donc ce n'était pas en sciences humaines, mais ils ont un peu exploré les façons dont l'autodétermination et dont l'autonomie de l'étudiant pouvait influencer les performances scolaires. Et ce qu'ils ont pu documenter, c'est que la perception de l'étudiant quant aux habiletés du professeur à encourager l'autonomie, pouvait expliquer de façon significative une partie de la performance au cours. Donc, ce qu'il suggère, c'est de favoriser naturellement le sentiment d'autonomie où on peut améliorer le sentiment de contrôle par rapport aux choix, aux objectifs et aux actions que l'étudiant va prendre naturellement. Il ne va pas tout choisir, mais par exemple, par rapport à ses stratégies d'études et à ses façons de fonctionner.
Et de quelle façon est-ce qu'on propose de le faire? Nous, ben, c'est d'expliquer le rationnel, en fait, devant les exigences qu'on demande. Donc, de présenter les avantages et les inconvénients. Quand nous, on est convaincus, ben, c'est facile pour nous de nous projeter et de visualiser les avantages et les inconvénients pour prendre notre décision et pour faire notre suggestion. Mais il faut se rendre compte que pour l'étudiant, c'est peut-être pas si évident que ça qu'il se soit rendu à un avantage concret. Donc, on peut l'aider en présentant l'avantage et l'inconvénient afin qu'il puisse prendre une décision en quelque sorte éclairée. Donc, c'est un peu là-dessus que je vais poursuivre, dans le sens où si vous avez une bonne compréhension, vous, des processus cognitifs et des stratégies, ben vous allez être plus en mesure justement d'expliquer ces rationnels-là auprès des étudiants. Donc, on va commencer par les principes de mémoire et d'attention. On va y aller avec une gestion de sa mémoire de travail, la création de liens et de la récupération. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de vous donner une idée globale. On ne pourra pas aller dans des stratégies super concrètes, mais on aura l'occasion, par ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, d'en reparler. Alors, se concentrer, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est de faire un effort, hein, diriger notre attention. Ça demande de combattre les distractions qui sont devant nous. Donc, de façon naturelle, en fait, l'attention, elle se promène hein, d'un sujet à l'autre ou bien d'une idée à l'autre, soit par des stimuli qui sont externes ou internes. Donc, l'attention, elle se promène de façon naturelle. Donc, si on veut se concentrer, il faut être conscient que ça demande un effort. Une fois qu'on se concentre et que, par exemple, là, vous m'écoutez, vous traitez les mots que je vous nomme, ben ça va dans votre mémoire de travail qu'on illustre avec un bocal. On l'illustre avec un bocal parce que notre mémoire de travail, c'est ce qui est actif dans notre tête en ce moment et ça a une capacité limitée. On ne peut pas rentrer, malheureusement, autant de choses qu'on voudrait dans notre bocal de mémoire de travail. Donc, par exemple, ici, la jeune fille, elle garde en tête, elle prépare son sac que elle a un cours de mathématiques demain et elle sait qu'on est le lundi et que le mardi, il faut rendre le devoir. Donc, elle fait le lien entre ces différentes informations-là qui sont dans sa mémoire de travail pour s'assurer de prendre son devoir de mathématiques et préparer son sac. Alors que si il y a des distractions qui surviennent, donc par exemple, sa mère discute en même temps, lui disent qu'il faut qu'elle prenne ses clés, elle lui pose des questions. Bon, eh bien, elle doit traiter toute l'information que sa mère lui demande en même temps. Et ça fait qu'elle n'a plus assez de place nécessairement pour faire le lien entre le fait qu'on est lundi soir, qu'il y a un cours de maths demain et donc qu'il faut aussi qu'elle pense à amener son devoir. Donc, ça se peut qu'il y ait un oubli. Donc, c'est un exemple un peu simple pour illustrer le fait que quand il y a des distractions, ben, ça prend de la place dans la mémoire de travail et ça fait en sorte que ça prend la place d'autres choses. Pour le fun, là, si j'ai envie d'essayer, si vous voulez bien essayer d'écrire dans la discussion, donc vous ne prenez pas de notes, hein, mais je veux juste vous nommer une phrase puis vous poser des questions ensuite, qui va utiliser votre mémoire de travail. Comme ça, vous allez voir c'est quoi. Donc, si je vous dis, Marc est sorti pour aller à l'épicerie. Il a acheté du lait, du pain, des œufs et du fromage. Il a ensuite trouvé des fruits de la passion et des choux-fleurs. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a réalisé qu'il avait oublié le beurre. Il a donc décidé de retourner au magasin. Alors, dans ce que je viens de vous nommer, est-ce que vous êtes en mesure de dire combien d'items Marc a-t-il acheté? Je vais voir s'il y en a qui... Ah non, il y en a qui disent non. 6, 4, OK, 6, 7. Dans le fond, de garder toute l'information en tête, quand j'ai dit la phrase, là, ça a utilisé votre mémoire de travail. Donc, vous avez écouté et vous devez garder ça en tête en même temps que vous écoutez ma question. Et il faut aller récupérer ce que je vous ai nommé pour pouvoir répondre à la question. Donc, la réponse, c'est 6. Il y a une majorité qui l'ont eue. Il y en a qui ont dit 7, 4 et il y en a qui ont tout simplement abandonné en disant qu'ils n'avaient peut-être pas assez porté attention en fait pour être capable de garder tout ça en tête. Mais ça vous montre un petit peu c'est quoi la mémoire de travail. J'espère que vous saisissez. C'est ce que vous avez dû utiliser pour répondre à cette question-là. OK? pouvez-vous tous les nommer maintenant? Oui, allez-y donc voir. Il y avait du lait, du pain, des œufs, du fromage.
Il a ensuite trouvé des fruits de la passion et des choux-fleurs. Donc, super. Excellent. Donc, c'est surtout pour que, je pense que c'est bien si vous comprenez bien le principe de mémoire de travail, ça va être plus facile après ça pour à intégrer les stratégies dont on va parler. Par rapport à la mémoire, là, la mémoire de travail, c'est un peu, on porte attention, ça rentre dans notre bocal et ensuite, ça s'enregistre. Donc, l'enregistrement de l'information, s'ensuit une consolidation de l'information. Puis quand on consolide, c'est un processus biochimique hein, qui prend place, en fait, sans qu'on fasse d'effort. C'est-à-dire que si je vous demande qu'est-ce que vous avez déjeuné ce matin, vous allez peut-être réfléchir un petit peu et vous allez ensuite récupérer l'information. Donc, j'ai mangé un bol de céréales ou des toasts au beurre de peanuts. Vous n'avez pas fait un effort là, pour vous dire « Ah, j'ai mangé une toast au beurre de peanuts, il faut que je m'en souvienne ». Et pourtant, bien, vous êtes capable de récupérer l'information. Okay? Donc, il y a un enregistrement et une consolidation qui prend place de façon naturelle. Et la récupération, bien, c'est ce que vous faites quand vous allez chercher l'information dans votre tête. Donc, ça, c'est un peu les étapes de base de la mémoire. Je vais aller un petit peu plus loin quand même pour vous, pour faire le lien entre le fait que la mémoire de travail, elle est située dans, elle utilise, disons, le lobe frontal de votre cerveau. Okay? Donc, quand on traite l'information, on va ensuite l'enregistrer. Donc, pour les étapes 1 et 2. La consolidation, ça va prendre place dans l'hippocampe, là, une autre région ici du cerveau. Et ensuite, eh bien, si on veut aller rechercher l'information, bien, on va aller la rechercher dans ces régions-là et ça va retourner de façon active dans notre bocal de mémoire de travail qui se situe dans les régions frontales. Donc, ce processus-là, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe par notre bocal pour rentrer et pour sortir, ça nous rappelle aussi qu'il faut que notre mémoire de travail soit disponible si on veut être capable de sortir l'information en tête. Donc, c'est une chose d'être capable de l'enregistrer, mais il faut aussi être capable de la sortir au bon moment. Et on sait que, par exemple, le stress, les préoccupations, quand je parlais de distraction interne, externe, bien, ça prend de la place dans notre bocal de mémoire de travail. Donc, ça peut aussi influencer notre capacité à récupérer l'information. De façon importante aussi, si on fait un trajet d'enregistrement et de récupération comme ça, de façon répétée, bien, on va ensuite, ils disent remote memory, c'est que notre apprentissage va comme être un peu plus diffus dans le cerveau. Okay? Il va commencer à s'intégrer avec le reste de nos connaissances, d'où le fait que ça crée des liens. Et c'est comme ça qu'elle est organisée, c'est comme ça que les connaissances sont organisées dans le cerveau, c'est-à-dire que c'est comme une toile d'araignée de nos différentes connaissances. Et donc, plus on favorise la récupération de l'information, plus on solidifie notre apprentissage et plus ça crée de liens avec les différentes connaissances qu'on a. OK. J'espère que ça va pour ces étapes-là. Ça va très bien, Karen. Super. Donc, je vous parlais de la mémoire de travail, des façons de, en fait, l'impact. Pourquoi est-ce que, donc, si on veut justifier à l'étudiant là, le fait de gérer les stimuli externes ou internes, ben, c'est pour s'assurer que l'information rentre, pour s'assurer qu'elle puisse sortir de façon adéquate et étudier activement. Donc, ça, c'est quand on étudie, mais même en classe aussi, donc de s'assurer d'avoir des classes des cours où on est actif et on stimule l'attention de l'étudiant, ça va faciliter l'intégration de l'information pour plein de raisons, mais je vais parler notamment du fait que ça va favoriser la création des liens, OK? Et dans l'étude active aussi, on va s'évaluer, c'est-à-dire on va pratiquer la récupération de l'information. Donc, je vais passer juste un peu de temps sur ces stratégies concrètes-là pour faire les liens avec les étapes de mémoire qu'on a vues. Donc, la création de liens, il y a plusieurs façons de le faire. On en parle. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs stratégies concrètes pour créer des liens, notamment, par exemple, de se faire des dessins, de se faire des diagrammes. C'en est une. Je vais
vous démontrez aussi autre chose. Si je réessaye, tout à l'heure, il y a quand même plusieurs personnes qui ont réussi à se rappeler là, de la liste d'épicerie de Marc, je crois. Je vais changer d'exemple. Je vais vous dire une autre phrase, prenez pas de notes. Si je vous dis, mais dans le même principe, hein, je vais parler de moi maintenant. Karen va au travail et rencontre un patient et fait sa lecture de dossier. Elle a plusieurs hypothèses diagnostiques, telles un trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer, frontotemporal, accord de Lewy ou une aphasie primaire progressive. Ensuite, elle se dit qu'il faut aussi considérer la dépression ou un TDAH. Mais une fois le patient rencontré, elle a réalisé qu'elle devait aussi penser à une possible maladie de Parkinson. Alors, ma question, c'est combien d'hypothèses Karen avait-elle en lisant le dossier? 5, 7, 7, 4, 8, 7, 5, 5, 7. Alors, naturellement, c'est qualitatif mon analyse, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de variabilité ici que tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a des 7, 4, 8. C'est drôle, il n'y a même pas de 6 qui est en fait la bonne réponse. Perdu le compte, c'est compréhensible, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous remarquez, en fait, il y en avait 6. C'est donc le même nombre que la liste d'épicerie de Marc. Et pourtant, ça a été plus difficile. Donc, je vous disais que la mémoire de travail, ça a une capacité limitée. Il y a le nombre d'éléments, mais il y a aussi le fait que quand on crée des liens et qu'on structure l'information, bien, ça prend moins de place dans notre mémoire de travail. Tu sais, quand on dit qu'on va à l'épicerie chercher du lait, du pain, des œufs, c'est des mots qui sont communs, qui sont connus et qu'on va très souvent aller chercher à l'épicerie. Donc, c'est facile de les placer dans notre boîte, OK? Alors que moi, quand je vous parle de mes diagnostics, voilà, par exemple, j'en ai nommé un qui est l'aphasie primaire progressive. Ça se rattache comme pas à grand-chose pour vous, j'imagine. Et est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est plusieurs entités? Tu sais, des fois, c'est où est-ce qu'on fait l'espace dans les mots? Donc, ben là, c'est sûr que ça va prendre plein de place dans votre boîte de mémoire de travail. Et puis là, si je rajoute les autres diagnostics que vous ne connaissez pas non plus, ben ça déborde et c'est comme ça qu'on perd le compte. Alors que si, par exemple, je vous explique que l'aphasie primaire progressive, ben c'est un trouble dont le premier symptôme, c'est une aphasie, donc on ne peut pas parler, on a un trouble de langage et c'est une maladie qui est neurodégénérative, donc c'est progressive. Donc, c'est une aphasie primaire progressive, c'est le nom de la maladie. Bien, une fois qu'on comprend un peu plus le concept, bien là, ça devient un peu plus tolérable en quelque sorte comme étant une entité et avec le temps, plus on est familier, bien, c'est une APP, puis là, bien, on gère ça un peu comme le reste. Et c'est de prendre conscience que, comme expert, vous, la majorité des informations que vous avez, ça ne prend pas de place dans votre mémoire de travail, mais pour l'étudiant, ça en prend beaucoup. Et c'est sûr que s'il y a un étudiant qui a plus de difficultés à gérer les cours par l'information qu'il doit absorber, la prise de notes et tout ça, bien, plus il va être au moins familier avec les mots, plus il va être familier avec la matière avant son cours, bien plus ça va être facile à traiter live, à utiliser sa mémoire de travail de façon correcte, en quelque sorte. Donc, ça, c'était aussi les autres avantages de la création de liens et de la structure de l'information, oui, pour la mémoire de travail, mais aussi pour la mémorisation. Maintenant, l'autre stratégie par rapport à la récupération de l'information, je vais y aller un petit peu plus rapidement pour celui-là, c'est de se pratiquer à récupérer. C'est pour vous montrer un petit peu la preuve à vous comme enseignant pour que vous le sachiez, que quand on... Ici, c'est différentes façons d'étudier sur l'axe des X et sur l'axe des Y, c'est la performance. Donc, quand on compare un groupe qui étudie sans instruction particulière, un groupe qui fait des études répétées, concept mapping, donc des cartes conceptuelles, et retrieval practice, c'est quand on se pratique à récupérer l'information. Se pratiquer à récupérer, ça veut dire qu'on étudie, on ferme notre livre, on essaie de se rappeler ce qu'on a appris, et ensuite, on ouvre notre livre, on regarde qu'est-ce qui nous manque, on referme, on se force à aller chercher l'information en tête.
Donc, ce processus-là, se forcer à aller chercher l'information en tête, ça demande un certain effort, mais ce que les études démontrent, c'est que pour le même temps d'études, ben, les performances vont être meilleures. Et ça, c'est le cas pour de la mémoire, mais aussi pour favoriser la compréhension d'exercices ou la création d'inférences. Donc, encourager, par exemple, des annotations de lecture quand on lit, de se forcer à dire « OK, qu'est-ce que j'ai lu? » puis de mettre des petits mots-clés au lieu de repérer les mots dans le texte, de se forcer à les récupérer de mémoire. Bon, les flashcards, les séances de groupe, quand on se pose des questions, c'est sûr que se poser des questions, ça favorise la récupération. Et en cours aussi, c'est le même principe. Ne pas hésiter à utiliser des quiz plusieurs fois, c'est-à-dire que, par exemple, dans les contenus en ligne, il y en a des quiz, peut-être même au début du cours, personne ne va le savoir, ou peut-être qu'il y aura deux personnes qui vont avoir la bonne réponse, mais pourquoi pas le refaire à la fin du cours? Comme ça, on repratique le processus de récupération, puis ça solidifie en quelque sorte, ou ça favorise la trace du chemin entre la question et la réponse pour l'étudiant. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais aborder pour l'aspect de concentration et mémorisation par rapport à la mémoire de travail, la création de liens. Donc, si c'est correct pour vous, je vais poursuivre avec les fonctions exécutives, donc la planification. C'est comme un autre gros morceau. Oui, donc je parlais de planification, mais je vais aborder quand même les fonctions exécutives. Je pense que c'est un terme qui est de plus en plus connu, même au-delà de... puis vous pouvez le nommer dans la discussion au cas où, là, si c'est familier ou pas pour vous le terme fonction exécutive, mais je l'ai même entendu des fois dans des publicités de radio. Donc, je pense que ça sort là, de notre champ à nous spécifique, mais je vais vous expliquer quand même c'est quoi. Ce qu'on entend par les fonctions exécutives, c'est ce que nous, on illustre avec un chef d'orchestre. Ça se situe dans le lobe frontal et c'est lui qui coordonne les activités dans les différentes régions du cerveau. Donc, c'est particulièrement important quand on doit planifier, on doit alterner en différentes tâches pour réussir à atteindre notre objectif. C'est ça qui fait le chef d'orchestre, il nous aide à atteindre nos objectifs et de mettre tout en place pour nous aider à y arriver. Et comme je vous avais dit tout à l'heure aussi, notre bocal de mémoire de travail, bien, il est aussi dans le lobe frontal. Donc, en fait, le chef d'orchestre, il gère ce qui est dans notre bocal en faisant des interactions avec le reste de notre cerveau. Donc, c'est sûr que s'il y en a trop dans notre bocal et ça déborde, bien, lui, il ne pourra pas le gérer. Et le chef d'orchestre, il prend juste ce qu'il y a dans la mémoire de travail. Si ça sort, c'est perdu. Comme il y en a qui ont répondu tantôt, j'ai perdu le compte, bien, c'est parce que c'est sorti de la mémoire de travail. C'est juste plus accessible. Donc, pour les étudiants, c'est le même principe. Hein? S'il y a trop d'informations, ils sont submergés, bien, il y a des informations qui seront juste plus accessibles et qu'ils ne pourront pas utiliser. Donc, dans les fonctions exécutives, ce qu'on inclut, c'est notamment le contrôle émotionnel, donc d'être capable de gérer son anxiété, la tristesse, la colère, l'autocontrôle, hein, la régulation. Ça, c'est pas facile. D'ailleurs, l'autodiscipline, il y a des modèles hein, de procrastination où on comprend que quand les gens procrastinent, c'est parce qu'il y a des difficultés d'autocontrôle. Et justement, une des stratégies importantes, c'est la planification, parce que quand on planifie, on va y venir, je vais y venir, bien, ça facilite ensuite le passage à l'action parce qu'on diminue la charge pour les fonctions exécutives. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. Alors, la planification, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à élaborer un programme de travail, la capacité à élaborer nos étapes. Puis, c'est pas si facile. Je sais pas si, en fait, j'ai envie de vous demander encore une fois une autre question. Selon vous, combien d'étapes sont nécessaires pour, à partir du moment où je vous dis, vous avez une invitation Zoom dans votre courriel, admettons sur votre tablette, et combien d'étapes est-ce qu'il y a entre le moment où vous allez voir votre courriel jusqu'à la participation active à la réunion Zoom. Donc, je ne sais pas si vous voulez estimer un nombre d'étapes. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que à partir du moment où vous recevez le courriel avec le lien, j'entraîne certains patients à faire ça
Et même si moi, je peux élaborer certaines étapes 20, j'en avais estimé peut-être 6-7, moi aussi, au départ. Il y en a qui disent même 2-3. J'essayais donc de décortiquer les étapes, mais on se rend compte avec un patient qui n'a pas nécessairement les connaissances et qui a aussi des faiblesses frontales, qu'il y a des étapes qu'on n'avait pas entrevues et qui font en sorte que le patient se dirige ailleurs. Donc, s'il se dirige ailleurs que là où on avait prévu, c'est qu'il faut qu'on insère une nouvelle étape pour le diriger. Et à part la personne qui a dit 20, la majorité, tous les autres, vous êtes en dessous. En fait, il y en a 10. C'est assez surprenant, mais il y en a 10 dans le sens où si je ne nomme pas ces 10 étapes-là, ben, je risque de perdre la personne en cours de route. Et il faut comprendre que l'étudiant, avant d'y aller à l'étudiant, pourquoi vous en percevez 4 ou 5 ou 2? C'est parce que il y a beaucoup d'étapes qui sont automatisées pour vous. T'sais, en tant qu'expert, en plus, comme étudiant, vous avez utilisé les plateformes Zoom là, pendant toute la pandémie. Nous, on était sur le terrain. Donc, vous êtes des experts et quand c'est automatisé, ben, ça n'utilise plus votre chef d'orchestre. Ça utilise d'autres régions du cerveau. Donc, quand les choses sont automatisées pour nous, ils sont beaucoup plus faciles à gérer. Alors que quand c'est nouveau et on est encore en train d'apprendre dans les étapes, ben, ça utilise les fonctions exécutives. Donc, c'est pour ça que nous, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais c'est parce qu'on les fait sans s'en rendre compte. Alors que, donc, l'étudiant qui est en apprentissage, c'est des nouvelles informations. La majorité, non d'ailleurs, le lobe frontal n'a pas encore atteint sa pleine maturation. Donc, tout ça, ça fait en sorte que cet aspect-là de planification est un défi pour la majorité des étudiants. Donc, si on prend un exemple, la rédaction d'un texte argumentatif, mettons. Est-ce qu'on est en mesure d'entrevoir les obstacles pour l'étudiant? Découper l'objectif en sous-tâches, c'est la stratégie, la première stratégie à prendre là, pour planifier et pour s'aider. C'est d'être capable de découper les objectifs en mini-objectifs. Est-ce que l'étudiant est capable de le faire? Donc, de la même façon que même moi, quand j'ai développé un protocole pour ma patiente pour qu'elle puisse faire le Zoom, il m'a manqué des étapes. Bien, l'étudiant, ça se peut que quand il va développer ses tâches ou ses objectifs, ses sous-tâches, il va peut-être oublier quelques sous-objectifs. Et donc, il va peut-être juste dire, bon, bien, je vais choisir mon sujet, je vais élaborer un plan, et je vais rédiger mon texte. T'sais, il va peut-être mettre 3 étapes, ce qui fait que il va sous-estimer le temps que ça va prendre. Il va peut-être faire beaucoup d'allers-retours entre sa recherche et sa rédaction. Donc, s'il n'a pas élaboré un plan de travail adéquat, bien, vous le savez probablement, vous l'avez vécu, ça va le désorganiser et il va se perdre. Mais ce à quoi je vais vous sensibiliser, c'est que le fait d'élaborer ce programme-là, ce n'est pas évident et ça se peut qu'il ait besoin d'aide pour l'élaborer. Et ensuite, dépendamment des forces et faiblesses de chaque étudiant, bien, à chaque petite étape, bien, il y en a qui vont peut-être vivre d'autres défis. Il y en a pour qui peut-être que c'est rechercher et sélectionner la documentation pertinente qui va être difficile parce qu'ils vont se perdre puis ils ne sauront pas comment se structurer là-dedans. Et il y en a d'autres pour qui ça va être plus peut-être la rédaction du plan ou de l'ébauche. Donc, on peut aller les soutenir à différentes étapes. Et ensuite, juste pour... une fois qu'on a élaboré notre plan, naturellement, il faut le programmer. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans toutes les petites stratégies concrètes. Je veux surtout que vous compreniez le message principal qui est que quand on a découpé en sous-tâches et qu'on programme une sous-tâche, bien, c'est beaucoup plus précis et ça facilite l'initiation à la tâche parce que ça allège le travail pour le chef d'orchestre. Parce que quand on doit travailler sur notre exposcience, par exemple, comme objectif, pour l'étudiant, il y a toute la gestion de c'est quoi l'exposcience, en plus d'avoir à travailler dessus. Donc, ça fait beaucoup de choses à traiter pour le chef d'orchestre quand on est rendu à travailler ça. Alors que si son objectif, c'est de rechercher et sélectionner des sources de lecture pour son sujet, le chef d'orchestre, il se concentre sur cette tâche-là. Il n'a pas à tout faire le raisonnement par rapport à qu'est-ce qu'il va faire. Il peut directement se concentrer sur la résolution du problème. Donc, d'avoir cette stratégie-là, donc non seulement de découper, mais aussi de le mettre à l'agenda, de le programmer, ça favorise une meilleure gestion du temps et ça libère la mémoire de travail, ça allège les fonctions exécutives. Donc, ça limite la procrastination, etc.
Donc, de façon générale, là, c'est un petit peu ça l'objectif, c'est de voir avec lui quelles sont les prochaines étapes. Donc, de l'aider à réfléchir au plan et à voir s'il n'y a pas des sous-étapes dans ce qu'il avait défini au départ. Est-ce qu'il y a une utilisation appropriée de ses outils, de son agenda? Parce qu'on peut faire des listes de choses à faire, mais si on ne les programme pas, ben c'est comme si ça n'existe pas. Donc, au-delà de faire des listes, il faut s'assurer de les programmer dans son horaire et une utilisation appropriée de ses outils. Donc, quand, par exemple, je parlais de choses qui sont automatisées versus moins automatisées. Tu sais, quand on sort un cahier jaune pour notre cours de français, puis un cahier vert pour notre cours de philo, puis on l'ouvre pour prendre nos notes, ça, il n'y a aucune charge exécutive là-dedans. C'est automatique pour nous de prendre un cahier. C'est vert, en plus, c'est facile à repérer. On l'ouvre, on note. Alors que si, par exemple, c'est dans un ordinateur, puis là, où est-ce que j'ai mis mes notes? Puis là, sont-ils bien organisés? Puis là, je vais-tu retrouver mes choses? Bien là, déjà là, ça vient chercher les fonctions exécutives, puis c'est une charge supplémentaire avant de passer à la vraie tâche qui est d'écouter ton cours, par exemple. Donc, c'est d'être sensible à ça, dans quelle situation l'étudiant est en train de se mettre, puis est-ce que ça lui sert ou pas. Et naturellement, de référer au service d'aide aux étudiants parce que parfois, on a besoin. Hein. Donc, c'est ça. Ça fait un petit peu le tour pour les fonctions exécutives, la planification. Maintenant, pour être sûr d'avoir le temps de répondre à vos questions ensuite, je vais passer à la gestion des écrans, dans le sens où, dans les méthodes de travail intellectuel, il y a aussi une demande là, pour s'assurer qu'il y ait une utilisation adéquate des technologies. Il y a plein d'utilisations possibles. Je vais simplement nommer quand même le fait que ce qui peut convaincre les étudiants, c'est de savoir l'impact de l'utilisation du téléphone. Donc, par exemple, 70 à 100 des étudiants, ça c'était au niveau universitaire par exemple, admettent faire autre chose durant environ 23 % du temps. Donc, il faut autre chose pendant le cours. Comme peut-être même vous, est-ce que vous êtes en train de regarder vos courriels en même temps que vous m'écoutez? Je ne le sais pas, mais il faut, dans le fond, se poser la question, pour quelles raisons est-ce qu'ils viennent au cours et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur temps, sachant que, par exemple, ceux qui utilisent leur ordinateur pendant le cours, ça a été documenté qu'ils ont deux fois plus de risques d'avoir de moins bonnes notes que ceux qui n'utilisent pas leur ordinateur pendant le cours. Et là, naturellement, chacun ses forces et faiblesses, il y a des avantages et inconvénients à utiliser son ordinateur, donc c'est à voir, mais c'est d'être sensible à ça afin de prendre les bonnes décisions. Même chose sur la période d'études. Donc, à toutes les 5 minutes, ils peuvent consulter leur téléphone s'ils n'ont pas pris des stratégies ou des méthodes particulières pour limiter leur utilisation du téléphone pendant la période d'études. Donc, si quelqu'un se plaint d'être débordé et de ne pas avoir le temps, ben, sachant que quand on ne prend pas de stratégie particulière, on peut prendre de 20 à 60 plus de temps pour lire un texte, on peut refléter ça à l'étudiant, c'est-à-dire, est-ce que tu veux utiliser certaines stratégies ou bien tu veux prendre deux fois plus de temps pour lire ton texte que tu pourrais le faire. Donc, c'est sûr que quand on parle de limiter son utilisation des écrans ou des téléphones, ce n'est pas nécessairement intéressant, mais quand on nomme à l'étudiant, est-ce que tu veux étudier moins longtemps, mais étudier mieux, bien là, peut-être que c'est plus intéressant pour lui puis que ça va lui tenter de prendre action. L'autre chose aussi, c'est qu'il commence à y avoir certaines études là, sur l'impact sur le cerveau, c'est-à-dire que quand on est toujours avec des notifications ou bien quand on est toujours tenté d'aller voir ailleurs, bien, c'est comme si ça entraîne l'attention à être sensible à ce qui se passe. Donc, c'est encore plus difficile après de rester concentré longtemps sur une même tâche. Donc, ça, c'est les choses de base là, par rapport à l'utilisation des écrans, tant en cours que pendant les sessions d'études. J'aurais une petite question à vous poser, Karen. Oui. Oui. Premièrement, je voudrais bien m'assurer que ce que vous présentez, finalement, va faire l'objet du cours sur les MTI. Ce sont ces éléments-là que les étudiants auront à développer, c'est ça? Bien, ils ont à développer des compétences
disons que les MTI, comme je vous ai donné les définitions tout à l'heure, ce qu'ils cherchent, c'est de faciliter l'apprentissage. De quelle façon est-ce qu'on peut préparer l'étudiant? Donc, c'est sûr que la science, ce qu'elle démontre, c'est ce que je vous présente, c'est de cette façon-là que c'est facile. Après ça, la façon dont les MTI sont élaborés, c'est que, par exemple, ils vont dire, favoriser, ou bien disons, la compréhension de texte. Dans la compréhension de texte, si on veut s'assurer que l'étudiant comprenne bien son texte, eh bien, on peut utiliser certaines stratégies en lien avec la mémoire et l'attention, et on peut les appliquer directement à la compréhension de texte pour répondre à la compétence MTI. Donc, aujourd'hui, quand je parle de mémoire et d'attention, ce sont certaines stratégies, en fait, qu'on peut appliquer dans plusieurs éléments de la compétence. Et c'est pour ça que je l'aborde de façon plus holistique, mais ce sont, disons, des stratégies qui vont permettre, oui, aux étudiants de appliquer les compétences demandées par la MTI. D'accord. Et puis, je viendrai, dans le fond, à la fin pour des stratégies concrètes sur les compétences spécifiques de la MTI. Ça, c'était quelque chose qu'on avait abordé à la QPC, justement, au congrès l'année passée. Et ça avait été très populaire, d'ailleurs. C'est justement les stratégies, au lieu de vous présenter en lien avec la mémoire et la planification, on les place par compétences, donc compréhension de texte, communication orale, rédaction, etc. Ça va être repris, disons, on l'avait présenté l'an passé, mais on va le représenter dans le cadre d'un webinaire. Là, je vous en parlerai à la fin, le 29 mars. D'accord. Pour ceux qui Marie-Ève, veulent... petite question un peu plus spécifique, c'est Marie-Ève Dupuis qui demande, elle constate que plusieurs étudiants universitaires, c'est probablement la même chose aussi avec des étudiants de cégep, travaillent sans agenda et racontent que s'ils tiennent un agenda, ils sont incapables de respecter ce qu'ils se fait. Je réponds souvent qu'à tout mémoriser, ils risquent d'oublier les tâches ou de surcharger leur mémoire, mais ils résistent. À votre avis, qu'est-ce qui explique autant cette prise de distance à utiliser un agenda? Hey, c'est une bonne question. Je vous avoue que moi-même, quand j'ai des étudiants, je reçois des étudiants qui font leur internat en neuropsychologie, là, et puis quand on discute... Moi, au début, je leur demande, je dis, est-ce que tu as un agenda? Est-ce que tu sais, où est-ce que tu vas noter tes choses? Puis je leur demande concrètement et je leur demande de noter leurs choses. Et c'est vrai que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence entre noter dans l'agenda. C'est comme un peu la base. Ensuite, il y a l'aspect planification, c'est-à-dire qu'ils vont planifier les choses dans l'agenda, mais ils feront pas ce qu'ils ont planifié et donc peut-être que ça les décourage. Ça ne vaut pas la peine que je planifie parce que de toute façon, ce n'est pas ça que je fais. À ce moment-là, c'est effectivement de voir c'est quoi les conséquences pour eux. C'est probablement que c'est la planification et le découpage des tâches qui n'a pas été fait de façon optimale, donc c'est pas bien placé dans l'agenda et donc c'est pas un bon guide. Mais c'est sûr qu'à la base, il faut un minimum noter les choses pour pas l'oublier. Malheureusement, dans le livre, là, tu sais, moi, je peux expliquer et on peut justifier tous les trucs neuroscientifiques par rapport à de quelle façon mettre les choses dans l'agenda, ça peut faciliter le passage à l'action, limiter la procrastination, mais il n'y a pas d'études qui ont comparé un groupe d'étudiants avec un agenda puis un autre pas d'agenda, tu sais. Donc, je n'ai pas pu documenter cet aspect-là. Mais je pense que c'est vraiment en fonction des conséquences que l'étudiant subit, de quelle façon est-ce qu'on peut lui refléter que ça va répondre à son problème. Mais je vous avoue que je suis toujours surprise de constater qu'il y en a qui n'utilisent pas d'agenda. On pourrait y revenir. Je vous laisse continuer parce que je sais qu'effectivement, il vous reste beaucoup de choses à dire. Alors, je vous laisse continuer. Ah, mais c'est pas si pire, j'achève quand même. Okay. C'est ça, je t'ai rendue à la gestion de l'anxiété parce que c'est ça pour les habitudes de vie. J'avais juste une suggestion là, pour chaque. Là. Par rapport à l'anxiété, le principe de base, c'est que souvent, ce qui va générer l'anxiété, c'est quand il y a une différence significative entre la perception de l'étudiant par rapport à ses capacités et le défi auquel il fait face. OK? Donc,
est-ce qu'il a une bonne perception de ce qu'est le stress et de ce qu'est le travail qu'il a à faire? Parce que c'est comme une courbe en U inversée, là. Le stress, en fait, ça peut être bon, hein. Ça peut déjà te le savoir là, que, y a du bon stress, ça nous mobilise, ça nous aide à être plus vigilants, ça peut même nous aider à améliorer notre performance. Donc, d'avoir cette connaissance appropriée par rapport au stress, même pour les professeurs, hein, parce que je pense qu'il y a... il en parlait quand même dans les médias là, que les gens disaient « tout le monde est anxieux, tout le monde est anxieux ». Mais en fait, c'est normal d'être stressé quand on a un examen, c'est normal d'être stressé quand on a beaucoup de choses à gérer. Après ça, c'est une question de quantité, mais c'est des situations qui sont en fait juste normales et qui ne sont pas nécessairement problématiques. Donc, ça dépend à quel point ça va affecter notre fonctionnement. Mais pour l'étudiant, c'est de s'assurer que son stress est optimal en quelque sorte. Donc, est-ce qu'il évalue adéquatement la tâche à faire, donc comme un défi, et qu'il a des capacités suffisantes pour le relever? Parce que s'il perçoit qu'il y a comme un débalancement, que ses capacités sont insuffisantes, bien là, c'est là qu'il va percevoir ça comme une menace et ça va être là que le stress va avoir un impact un peu plus important. Puis, contrairement, ben, s'il trouve que c'est pas intéressant ou qu'il n'y a pas de défi, ou bien alors que ses capacités ne sont pas en lien là, avec ce qu'il doit accomplir, ben, ce sera aussi un manque de motivation et puis les performances vont être plus faibles. Donc, les stratégies par rapport au stress, là, c'est déjà de savoir que c'est correct de stresser, que c'est normal, que ça peut être positif, donc de revoir les croyances et ensuite de revoir la perception par rapport aux capacités de l'étudiant. T'sais, quelles sont ses craintes? Est-ce que ses craintes sont fondées? Et comme enseignant, c'est offrir la rétroaction de ce que vous percevez comme force ou comme difficulté. C'est ça qui va être le plus riche, en fait. Puis d'ailleurs, c'est sûr que nous, on parle beaucoup de stratégie pour l'étudiant, mais pour le professeur en tant que tel, ben c'est sûr que j'aborde aussi les choses pour le professeur, là, mais offrir de la rétroaction, offrir du feedback, c'est un des facteurs les plus importants par rapport au succès scolaire. Donc, ce sont des choses que vous pouvez offrir puis qui peuvent améliorer la perception de l'étudiant puis l'aider à gérer son stress parallèle. Donc, j'achève. Je vais demander si c'est possible de mettre une autre question que j'avais pour vous. C'est un petit peu en lien avec le cours de méthode de travail intellectuel, c'est-à-dire la nouvelle compétence là, obligatoire. Je ne sais pas si c'est possible de l'afficher, la question sondage. OK. Donc, est-ce que c'est la question qui s'appelle « Comprendre son processus d'apprentissage » ou des Oui, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Parce que dans le cours des MTI, en fait, il y a quand même la majorité des cégeps ont décidé, je crois, d'aborder un cours spécifique pour adresser justement les méthodes de travail intellectuel, mais ça peut aussi se faire de façon transversale, je pense que vous appelez. Et dans les MTI, on parle beaucoup d'aspects scolaires, hein, donc compréhension de texte, rédaction de texte, communication orale, travaux d'équipe. Donc, je me demande, selon vous, si vous pensez que c'est pertinent pour l'élève de comprendre son processus d'apprentissage. Donc, la façon dont il porte attention, dont il mémorise, dont il planifie ces choses. Est-ce que pour vous, là, c'est sûr que moi, vous le savez, c'est quoi que moi je pense, mais j'aimerais ça savoir, selon vous, si vous trouvez que c'est pertinent pour l'élève ou parce que ça se peut aussi que peut-être que vous jugez qu'on doit se concentrer sur l'aspect scolaire particulier sans aller dans le métacognitif en quelque sorte. Il y a 46 personnes qui ont répondu, alors on pourrait mettre fin au sondage. Qu'en pensez-vous, Karen? Oui. Alors, je vais partager les résultats. Oui. Oui, mais pas nécessairement dans le cursus de MTI. Je comprends. Donc, dans le fond, dans le cursus, donc c'est bien, au moins il y en a quand même plusieurs qui, en fait, il n'y a personne qui pense que ce n'est pas pertinent. Je ne sais pas si vous étiez gênée de répondre ça, moi, je n'aurais pas su c'était qui, mais je pense que c'est, ça favorise dans tous les cas les performances scolaires. Donc, pour cette raison-là, puis, tu sais, on parle de performances scolaires, mais en fait, c'est de fonctionnement professionnel. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est pertinent. Après ça,
étant donné que c'est transversal, c'est sûr que c'est vous qui avez le dernier mot sur qu'est-ce qui peut être abordé dans le contexte des MTI. Puis je voulais juste vous faire savoir que si, par exemple, les aspects métacognitifs, tu sais, étant donné que c'est pas scolaire, il y a des choses qui sont disponibles là, en ligne par rapport à, par exemple, l'anxiété, la mémoire, l'attention. Et puis, c'est des vidéos qui ont été faites par Savoir Média. Donc, c'est de qualité professionnelle. C'est des émissions qu'on a tournées avec d'autres experts. Donc, c'est pas juste moi et Frédéric. Et donc, c'est facile à étudier. C'est facile à écouter et c'est agréable à écouter pour l'étudiant. Donc, si jamais il y en a qui, dans le cadre, parce que je sais qu'il y a différents professeurs, tu sais, en géographie, en histoire, en d'autres matières. Donc, s'il y en a qui se sentent moins à l'aise dans les aspects métacognitifs, il y a du support qui peut être là. Et l'autre question que j'avais par rapport au sondage, vous pouvez l'afficher aussi. C'est pour ceux, si dans le fond, vous n'avez pas à construire le cours de méthode de travail intellectuel ou si vous n'avez pas à l'enseigner, vous n'êtes pas obligé de répondre dans le fond parce que je m'attendais à ce que la majorité des gens qui assistent aujourd'hui soient des gens qui je vois pas la question. Oui, j'essaie de l'annoncer la question, mais j'ai de la difficulté, alors je vais recommencer. C'est long, là, je ne suis pas capable de la lancer, je suis désolée. Mais il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'était que ceux qui, vous pouvez répondre sinon dans la discussion, c'est que je me demandais, pour ceux qui devaient construire le cours de MTI, c'était quoi les enjeux les plus difficiles? Est-ce que c'est la structure du cours à établir parce que, justement, il y a des aspects peut-être métacognitifs qui sont, avec lesquels vous êtes moins familier? Est-ce que c'est de réfléchir au contenu théorique, au contenu pratique, comme les exercices? Ou bien est-ce que votre difficulté, c'est de réfléchir à tout le contenu du cours? Donc, je ne sais pas s'il y en a, si on n'a pas la question, qui veulent répondre dans la discussion par rapport à leur défis qui conçoivent par rapport à la construction ou l'élaboration du cours de méthode de travail intellectuel qu'ils vont devoir donner. Donc, est-ce que les défis, c'est plus dans développer le contenu théorique, développer le contenu pratique, réfléchir aux façons d'évaluer le contenu ou bien l'ensemble de l'œuvre? Est-ce qu'il y en a qui veulent se... J'ai écrit dans le chat les trois choix. Alors, ce qui vous apparaît donc le plus gros défi, le contenu théorique, le contenu mais pratique. Mais sinon, c'est peut-être que, étant donné qu'il y avait beaucoup de conseillers pédagogiques, il y a peut-être moins de professeurs. L'idée de s'assurer que le contenu théorique puisse être attaché à la pratique pour que l'étudiant fasse du sens. Oui, rendre le cours significatif en le liant au reste du programme. Et pour ça, je veux vous faire savoir aussi, c'est en ligne, tantôt quelqu'un demandait... C'est en ligne dans le I+. Le truc est affiché, oui. Le sondage. Oui. Il y a des questions d'évaluation que vous pouvez utiliser comme professeur là, pour faciliter un peu le travail ou bien des quiz, mais pour le lier au reste du programme. Il y a plusieurs, ça c'est dans le contenu I+, je pense que les profs ont accès à ça. Je vous avoue que je suis moins familière, moi, avec ce système-là, mais il y a plusieurs documents, puis il y en a un qu'on va probablement rajouter, puis vous me direz ce que vous en pensez, mais qui pourrait vous aider, c'est plus avec ChatGPT, puis c'est un genre de Canva pour nous aider à générer des exercices de pratique qui peuvent être en lien, en fait, avec des thématiques précises, donc en lien avec ce qui intéresse le prof ou bien ce qui intéresse les étudiants dans les cohortes actuelles. Donc, éventuellement, on va penser à ça, un Canva pour aider à la création d'exercices pour ChatGPT. Ça fonctionne quand même bien. Donc, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On n'a pas pu aborder toutes les stratégies naturellement. On en fait seulement quelques-unes. Tout. Réfléchir au contenu, réfléchir aux façons d'évaluer. Oui. Et c'est beaucoup aussi le tout en tant que tel. Là, tout est difficile. J'ai écouté votre présentation, Karen. Et, comment? J'ai écouté votre présentation et je me disais, mon Dieu, pense aux étudiants. Bon, soit une clientèle de plus en plus diversifiée. Encore pour des étudiants là, peut-être qui ont de la difficulté, qui ont certains troubles de concentration, de troubles de l'attention. C'est pour eux, c'est un défi d'autant plus grand ce que vous présentez,
Parce que justement, je pensais aux étapes en tantôt que vous proposiez. Définir les tâches par étapes, c'est tout un défi là, pour ce type de clientèle-là. Oui, effectivement. Puis justement, si il y en a qui veulent... Ah tiens, je l'ai ici. Est-ce que je peux mettre le lien? Tu sais, s'il y en a qui veulent, parce qu'ils demandent le I+, c'est quoi? Je vais mettre le lien. Ah, ça a marché. Donc, si on clique sur le... Il y aura la conférence organisée par RP qui est gratuite, là, où on va rentrer un peu plus en détail dans les stratégies concrètes pour le livre. Fait que s'il y en a qui ont à enseigner ce cours-là, puis que justement, vous vous sentez dépassé, venez poursuivre le 29. Là, aujourd'hui, c'était comme un peu plus holistique, un peu global, la vision. T'sais, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme enseignant? Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme information? T'sais, c'est de réfléchir à ça. Et puis, mercredi le 29, on va y aller de façon un peu plus concrète. Le I+, c'est le contenu en ligne du livre. Quelque chose comme... Ouais, c'est le contenu en ligne auquel on a accès du livre. Par contre, sachez que savoir apprendre, les capsules, étant donné que ça a été filmé par Savoir Média, vous pouvez aussi les trouver sur Internet, sur le site de Savoir Média. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ces capsules-là, vous pouvez aussi les trouver de cette façon-là. Je vais essayer de trouver le lien vers Savoir Média. Savoir Média, valoriser le savoir. OK. Puis c'est savoir apprendre pour réussir quelque chose comme ça. Les arts et culture, environnement, font des fleurs, histoire, religion, santé, sciences et technologies, sciences sociales et humaines, j'imagine. Alors, je vais envoyer le lien. Je vais mettre le lien dans l'espace de clavardage. Est-ce qu'il y avait des questions sinon dans le... Sinon, il n'y avait pas de questions. OK. OK. Ah, il y a quelqu'un qui l'a trouvé d'ailleurs, Savoir Média, le lien, donc se trouve, okay, se trouve là. Donc, il n'y a pas de questions, mais c'était bien intéressant, Karen. Et moi, de mon côté, je vais m'inscrire à votre activité. Là. Je suis bien curieuse d'en savoir plus. S'il y a des gens là, qui sont invités, vous êtes invités à laisser un petit commentaire. Avant de partir, avant de quitter. Mais je tiens à vous remercier, Karen. Vous êtes une bonne intervenante, une bonne conférencière. Vous êtes calme. Ça fait vraiment plaisir de vous entendre. Et c'est instructif. Alors, on vous dit à la prochaine, tout le monde. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bye, Karen. Je vais laisser les gens, là, ceux qui veulent m'écrire un petit merci. Là, je vais faire ça. Ah, là, il y a un module. Bonjour. Bon, ah oui, il y a quelqu'un qui demandait, Karine, il y a des gens qui ont dit, mais la différence entre le cours MTI et l'AFR compétence 1006. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je ne sais pas ça, de quoi. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça comme neuropsychologue. Dans le sens que ça a été comme un peu par hasard. Hein. Nous, on jugeait l'information. En fait, sous-jacente aux méthodes de travail intellectuel super pertinentes pour les professeurs. Donc, on a commencé à rédiger ça. Et ensuite, naturellement, avec la compétence, on s'est assuré de répondre à tout ça dans notre livre. Je ne connais pas cette autre AFR compétence 1006. OK. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit la compétence 1006 et lieu de vie des activités de mise à niveau et activités favorisant la réussite. Et c'est non qui dit. Merci. On se revoit. À bientôt, Karen. Merci. Bye. Merci. Au revoir.